C'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel pour nous. On est tous des filles que vraiment aller jouer pro plus tard, voir c'est quoi le niveau, c'est quelque chose qui... On va voir ça dans notre vie, en fait, jouer contre la France comme ça. Fait que c'est vraiment une occasion qui va être unique. Puis ça va avoir une fois dans notre vie, justement, l'équipe du Québec de jouer contre une équipe qui va jouer sûrement à la Coupe du Monde dans d'ici quelques jours. Donc il faut en profiter au maximum, s'amuser, puis juste avoir du plaisir, là, profiter du moment. Ça va être, je pense, génial de faire ça, mais c'est sûr c'est stressant, là. C'est quelque chose qui arrive jamais en fait. Là. Puis, avec des filles qu'on connaît pas nécessairement non plus, donc c'est quelque chose qui est quand même assez stressant pour nous. Oui, c'est un grand privilège, c'est vraiment une grande opportunité que la Fédération nous donne, que ce soit à moi mais aussi à toutes les filles, de pouvoir jouer un match d'une aussi grande envergure, puis c'est un match historique aussi pour la région, pour la province, donc je suis vraiment extrêmement chanceuse, puis c'est maintenant que je vais prendre une opportunité pour montrer qu'au Québec, on est capable de faire des joueuses qui ont du talent, puis qui peuvent performer à des aussi hauts niveaux, que ce soit au niveau international ou au niveau national. Donc, ouais, c'est une grande chance que j'ai. Nerveuse, oui, c'est nerveuse, en fait, c'est... La nervosité de pouvoir jouer une aussi grande équipe, une équipe qui a une aussi grande histoire, un aussi grand talent. Donc c'est sûr que ça c'est un peu stressant, un peu pleurant, mais en même temps, nous aussi, de notre côté, on va essayer de proposer du jeu de qualité pour leur donner une bonne adversité. Donc ça va être un bon match pour nous, on va essayer de leur donner un bon match pour eux pour que ce soit un bon match à regarder puis un match historique qu'on va se rappeler. C'est un très gros privilège, je me sens choyée de jouer contre l'équipe de France. C'est sûr, c'est comme jouer contre ses idoles, contre les gens qu'on regarde, qu'on s'inspire. On est très choyée de jouer contre eux. J'espère qu'on va être capable de leur donner une bonne rivalité. C'est sûr que ça va être un gros match, mais on va faire de notre mieux. Est-ce que tu es nerveuse? C'est sûr que je suis nerveuse. Il va y avoir beaucoup de monde aussi qui vont regarder, mais on va faire de notre mieux. Je suis sûre qu'on va être capable de livrer une bonne performance. Oui, vraiment excitée. J'ai vraiment hâte de jouer. En plus, c'est international, même si on dit que le Québec, c'est une province. Puis jouer contre la France, c'est une des meilleures équipes au monde. J'ai vraiment hâte de voir comment le rythme de jeu va se produire, puis de voir les résultats, puis de comment on va sortir. Quel genre de jeu tu t'attends à la part de la France? Ils sont très rapides. On sait que ça va être beaucoup de tactique, technique. Ils vont faire bouger le ballon, puis il va falloir être alerte défensivement, mais ça va être un jeu vraiment rapide demain. Bien, je pense qu'on réalise qu'il y a une coche au-dessus à prendre si jamais on veut se retrouver dans cette ligue-là là, au niveau national. Je pense que c'était vraiment le fun. C'est sûr que c'était dur tout le match. Regarde, eux autres s'entraînent depuis pas mal de temps ensemble. Puis nous autres, on a fait 3 jours de pratique. Donc, c'est sûr qu'on ne pouvait pas sortir la meilleure des performances. Là. Mais je suis fière là, quand même. T'sais, j'ai trouvé que ça a quand même bien été. On ne pouvait pas faire mieux, je pense, dans les circonstances qu'on était. Bien, comme tu dis, c'est une super belle expérience d'avoir eu la chance d'affronter les filles qui vont aller à la Coupe du Monde dans la prochaine semaine. C'est sûr qu'eux sont à leur pic. On a eu seulement 3 jours pour se préparer avec la sélection du Québec. Mais le changement de rythme qu'elle avait, c'était difficile à gérer les overloads de tous les côtés. Ils attaquaient à 5. Comme je me répète, mais c'était difficile à gérer, mais je crois qu'on a tout donné pour qu'on fasse le mieux possible. Malgré le fait que j'ai encaissé 7 buts, je pense que j'ai tout fait pour essayer de diminuer, de garder l'écart assez faible. Je sais pas comment pouvoir le dire autrement. Mais non, très contente d'avoir eu cette chance-là.
puis à refaire n'importe quand, mais peut-être avec une préparation un petit peu plus grande, disons. Ouais, très contente.